se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 30 janvier 2020. Toujours avec le jeu de la fortune très fin, c'est un keeper, hein, voilà, et avec le tarot Bosch. Voilà, n'hésitez pas à aller sur YouTube, regarder une vidéo, c'est une publicité qui est complètement gratuite pour vous et qui me rapporte quelques centimes pour moi, ça permet de soutenir cette chaîne et voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on y va avec le tarot, c'est parti! Aha! On a un 8 cette fois, c'est pas mal, hein? Non mais déjà hier on avait plus un 9, on avait la force, ça va, ça va, hein? Là on a le 8 de denier, on est dans la matérialisation. Donc, bon, après le 8 de denier, il nous dit qu'on doit persévérer à tout prix, hein? Donc voilà, il nous dit que c'est pas forcément facile, hein? C'est pas forcément simple. D'ailleurs on le voit sur cette carte, le personnage est un petit peu en souffrance. Hein, c'est un peu lourd. C'est un peu. On en a plein le dos quand même là. On a engrangé, on a eu quelques bonnes belles victoires, on a eu. Mais il va falloir persévérer à tout prix, il va falloir continuer sur ce chemin-là. C'est peut-être aussi le moment d'élargir les possibilités. Hein. C'est peut-être le moment d'élargir les perspectives. Si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être. Par le fait d'apprendre de nouveaux savoir-faire ou par le fait de s'organiser pour essayer d'avoir un concours, d'avoir un examen, de se former davantage, apprendre de nouvelles techniques, apprendre de nouvelles façons de faire, changer d'habitude, simplement, changer de rythme, revoir le planning, revoir l'agenda, revoir la méthodologie, des choses comme ça. Après, ça peut aussi nous dire que justement, dans ce. Elle n'est pas renversée, donc je ne vais pas vous parler. C'est pas une problématique, hein, on s'entend. Mais ça peut nous signifier aussi que la concentration peut être un peu excessive. Attention à ne pas vous épuiser non plus à la tâche. Essayez justement de vous organiser, en fait. De vous organiser. Parce que là, avec les deniers, on est dans le financier, on est dans le matériel, on est dans le quotidien, en fait, hein. Et donc, moi, même dans les liens à l'autre, moi j'ai envie de vous dire que quel que soit le domaine, cette lame, elle vous dit, faites attention en fait à ne pas trop faire de focus en fait et à ne pas trop bloquer sur vos habitudes. D'accord? Vous avez sûrement besoin avec cette carte de changer certaines choses, c'est le moment. De toute façon, si vous ne le faites pas, vous vous sentirez frustré, vous vous sentirez fatigué, vous vous sentirez à la fin dans l'obligation presque de le faire. Parce que vous ne tiendrez plus la route, en fait. Hein. Vous ne tiendrez plus le rythme. Et en rapport avec tous les tirages de la semaine, peut-être que c'est une attitude à changer. Peut-être que là, vous en avez plein le dos de ce climat, de tout ça. Et que là, en fait, bah, vous vous dites, de toute façon, là, je suis arrivée à une fin de cycle. Et du coup, il va falloir que je prenne les choses différemment, soit que je m'éloigne, que je trouve la manière, une manière différente en fait d'accueillir les choses et de me faire peut-être parfois percuter par les choses. Voilà. On va voir avec le keeper. Ok. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez trouver. Parce que là, franchement, c'est magnifique. Hein. Moi j'ai l'impression que vous allez vraiment. Pouvoir trouver la manière de faire autrement, en fait. Hein. Et peut-être que c'est le rythme de ce qui se passe autour de vous, que ce soit professionnel, que ce soit financièrement, que ce soit dans les liens à l'autre, il y a un rythme qui va changer et vous, vous allez vraiment vous sentir bien dedans. Vous allez vraiment ne pas être réfractaire à ce changement, ne pas être réfractaire à une ouverture d'esprit beaucoup plus large. Et pour vous, au centre, on a le cadeau, donc c'est vraiment quelque chose qui vous est offert. Il y a vraiment un grand bonheur, une sorte de reconnaissance de ah bah quand même en fait, voilà, hein, on reconnaît mes efforts, mon travail, etc. Et on va officialiser les choses et on va vous. Le mot qui me vient, c'est titulariser, mais c'est pas forcément ça, vous voyez. C'est on va. Pour moi, en fait, bah, c'est vous qui faites cette tâche-là et on met les choses au clair, en fait. Et pour moi, il y a enfin la stabilité qui s'installe. Il y a enfin. Aujourd'hui, en fait, pour moi, il y a un déblocage.
Voilà. Il y a un déblocage de la situation et par contre, ça va vous demander organisation pour ne pas vous fatiguer, pour ne pas vous épuiser. D'accord? Parce que pour moi, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais quand on obtient ce qu'on veut, bah parfois, on a tellement travaillé à l'obtention de ce qu'on veut qu'on n'a pas réalisé que quand on l'aura, bah peut-être qu'on serait pas prêt à l'accueillir en fait, hein. Et du coup, pour moi, là aujourd'hui, on vous dit que les choses sont là en fait, que les choses se débloquent et que maintenant, il vous reste juste à faire ce travail d'organisation pour bien accueillir en fait, hein. C'est la seule chose qu'il vous reste à faire parce que le cadeau étant au centre aujourd'hui, c'est une très très belle journée. Vous avez de très bonnes nouvelles, vous avez un grand bonheur. Vous avez une stabilité qui s'installe, je n'ai aucun problème aujourd'hui. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider ou aura aidé quelqu'un autour de vous, parce que si ce n'est pas vous, c'est peut-être pour la personne qu'on a vue en début de semaine ou c'est peut-être simplement pour vous ou enfin voilà, vous aurez compris. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous allez passer une belle journée. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain. Salut!